J'ai lu dans la Bible, Dieu dit à Moïse, vous allez m'offrir deux agneaux. Ça m'a fait peur. J'ai dit, mais Seigneur, un seul agneau suffit. Mais pourquoi deux agneaux? Un agneau le matin et un le soir. Je suis allé demander au prédicateur, les autres me disent, l'autre agneau là, c'est Jésus et l'autre c'est un homme. J'ai dit, ça ne sonne pas bien. Les autres ont même dit que l'autre agneau doit être notre précieux frère. J'ai dit, mais c'est faux. Hein, ceux qui ont des disques durs là, ils comprennent. Un agneau le matin et un le soir. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Il a fallu que je consulte la bouche autorisée. Et c'est quand j'entre dans les champs de Boaz, il dit, Jésus fut attrapé le matin, l'agneau du matin. Mais il a été tué le soir. En lui-même, il bloque les deux agneaux. Que quelqu'un pousse des cris de joie. La parole vient au prophète. Quand il n'y a pas un prophète, vous vous embrouillez. Notre agneau du matin et notre agneau du soir, c'est Jésus. Il n'y a pas un papa qui m'envoie à côté, papa Branham à côté, non. Si tu vas m'haïr, tant pis. Mais je connais un seul agneau. Merci Jésus, tu es mon agneau du matin et tu es mon agneau du soir. Je te bénis Seigneur pour ta grâce et pour ta miséricorde. Il est l'agneau du matin et du soir qui fut immolé. En lui les titres de l'Ancien Testament furent accomplis. Il est l'agneau du matin et du soir qui fut immolé. En lui le seul qui a versé son sang pour les hommes. J'ai lu dans la Bible, Seigneur, quand un roi avait commis un péché, il fallait une certaine catégorie de sacrifice. Il donnait un bouc. Pour le lépreux, une telle catégorie. Pour telle, une catégorie. Mais il manquait l'agneau qui peut ôter les péchés du monde. Et le mystère fut caché jusqu'à ce que Jean-Baptiste vint. Et quand tu te faisais baptiser, Seigneur, il a crié, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donnez-lui des acclamations parce qu'il le mérite. Il est l'agneau du matin et du soir qui en lui les titres de l'Ancien Testament furent accomplis. Il est l'agneau du matin et du soir qui fut immolé. Il est le seul qui a versé son sang pour les hommes. Tu es la vache rousse, Seigneur. On dit que la vache devait avoir 3 ans, qui représente les 3 fonctions.
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et cette vache ne devait avoir aucun défaut corporel. Quand tu étais sur la terre, tu n'avais commis aucune erreur. Tu étais sans défaut. Moïse a failli. Joseph a failli. Tous les prophètes ont failli. Mais tu es le seul qui n'a jamais failli. Alléluia! Tu es mon agneau du matin et tu es mon agneau du soir. C'est pourquoi je te bénis, Jésus. Alléluia! Oh, tu es l'agneau du matin et du soir qui fut immolé. Quand j'arrive à la fin des temps, je regarde dans Apocalypse chapitre 4, quand j'en fus ravi, il voit là-bas un agneau assis sur le trône, ayant un livre fermé. Et l'un des vieillards dit, Jean ne pleure pas, car, merci Seigneur, merci, merci, merci Jésus, merci. Tu tenais entre tes mains les titres de propriété incontestables. Le message de l'heure. C'est pourquoi dans Apocalypse 10, tu descends avec les livres ouverts et tu l'as remis à l'homme. Tu es l'agneau du matin et du soir qui fut immolé. Accompli. Oh, 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 qui a versé sans embout. Tu es le seul, tu es le seul. Seul qui a versé sans embout les hommes. Tu es le seul qui a versé ton sang. Tu es le seul qui a versé le sang. Sans pour